La liberté, c'est suivre son propre chemin, c'est se forger son propre destin, c'est vivre le jour présent et faire confiance au lendemain. Être libre, c'est vivre fier, même si tu es entouré de gens qui essaient de te convaincre du contraire. Être libre, c'est se faire respecter par sa simplicité et sa personnalité, car la plupart du temps, les gens simples sont pleins de profondeur. Être libre, c'est surtout être libre dans ses croyances, en prenant ses distances, de bonnes distances, avec toute mouvance. Être libre aussi, c'est être distant, c'est suivre son chemin, c'est se forger son propre destin, mais pas envers le respect et la bienséance. Être libre, c'est être prêt à prendre des sentiers sinueux et pas du tout bitumineux, tout seul, et à défendre ses acquis, comme le fait un bagarreur. Être libre, c'est peut-être se lier d'amitié avec la solitude et accorder sa guitare et ses notes avec goût, sans goût, pour que le son qui en sortira soit tellement joli et beau qu'il se mélangera avec de très belles couleurs. Hakim, tout droit réservé, tiré de mon troisième recueil de poésie, Il fait beau seulement à minuit.